Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale puisqu'on va faire un petit retour dans le passé. Vous voyez le nom du site TopButPES. C'était mes premiers pas sur internet, le premier truc où j'allais quoi, tu vois. J'allais tout le temps sur ce site. En gros, c'est un site où tu filmais tes buts et tu les mettais sur le site et tu votais. Et puis voilà, celui qui avait la meilleure note, et ben tu vois, il y a le classement 1, 2, 3, nanana. Donc comme vous voyez, il y a combien, 207 pages. Donc je sais plus, il doit y avoir des... des milliers de buts sur le site. Moi j'avais mis des buts aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se regarder les 10 premiers vite fait, comme ça, tu vois. Et après, on va regarder un petit peu les buts que j'avais postés. C'est parti, les gars! Donc on se retrouve avec le 12e but puisque le 10 et le 11 ont été supprimés. Donc c'était un but de Bibolix avec une reprise légendaire, wow, de Ronaldinho, mon gars. Pas mal, franchement pas mal. Tu vois, c'était un tout petit montage de rien du tout et en fait tu votais. Donc là c'était sur PES6, vous voyez la petite putain, ouais, la frappe de Ronaldinho en pleine lue, elle était pas mal. Donc là, 9e but de Gudjonsen avec un but de 44 mètres. Ouh, putain, reprise de volée. Ça doit encore être PES6 ça, je suppose, putain. Mais c'était une dinguerie en fait ce jeu, tu pouvais mettre des buts mais de n'importe où. Regarde-moi cette reprise de volée de malade. En plus, en lucarne, poteau rentrant, franchement, tout le monde l'est tenté, ces choses-là. Moi, j'ai essayé, tu vois, j'ai essayé, mais... Ah, les mecs, ils étaient bons quand même à l'époque, quoi. Donc ça, c'est un but de Tony Théo, si je dis pas de conneries. Bon, les pseudos vont rien vous dire, mais moi, ça me rappelle les souvenirs, quoi. Allez, on passe au suivant. Bon, bah écoutez, on passe directement au but numéro 7, parce que le 8 a été supprimé. C'était un but de Valdés de 75 mètres. Victor Valdés, le gardien. Un but de 75 mètres sur PES. Et là, c'est quoi? C'est la superbe volée de sa majesté Zinedine Zidane par Yas60. Elle était pas mal, celle-là aussi, je crois. Bria! Là, c'était PES5, par contre. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais regardez-moi ces effets de malade, quoi. C'était excellent. Putain, les souvenirs, quoi. Ah, c'était joli, c'était joli. Un petit zizou sur FIFA, ça ferait pas plaisir, là. Franchement. Ah, la bonne époque, la bonne époque. On passe au prochain but avec un but de Rony, louche, volé de 55 mètres, si j'ai bien vu. Attention. Ça va être n'importe quoi, bah oui. Ça, c'est un but de Kyo le démon. Ouais, ça, les pseudos et tout, ça me fait trop rigoler, quoi. Parce que, putain, c'est... Ouais, à l'époque, c'était ça, quoi. C'était les... Les pseudos, voilà quoi, tu vois. Regarde-moi ce but, c'est n'importe quoi. Et en fait, plus tu marquais de loin, en gros, plus ta note, elle était abusée sur le site, quoi, tu vois. Et bon, il y avait l'effet de la balle et tout, le montage, tout ça. Moi, vous allez voir que mes montages, je filmais mon écran, donc c'était pas beau, quoi, tu vois. Mais ouais, pas mal quand même, pas mal. Allez, on passe au suivant. Attention, encore une louche, les mecs. Une louche de Nani. Une reprise de volée, si j'ai bien vu. Attention. Ah putain, on voit mal, bordel. Ah, la qualité, elle a perdu son charme. Oh, attention. Oh, le pétard, quoi, sérieux. Ça, c'était Penny51 qui avait mis ce but-là. Putain, sérieux. Ouais, non, il était beau, il était beau. C'était dur à mettre tout ça, c'était très très dur à mettre. Putain. Eh, Sony Vegas, il touchait, les mecs, il touchait. Hein. Moi, je faisais de la merde, mais bon. On passe à la 4e place avec un but de GL11, une reprise de volée de Ronaldo de je sais pas combien de mètres. Putain, regarde. Du milieu de terrain, quoi, mais sérieux. Bouf. Ah non, sérieux. Sérieux. Ouais, GL11, il touchait bien aussi en montage. Il touchait bien, c'est vrai, c'est vrai. Putain, pas mal. Franchement, pas mal. Le pétard, quoi. 4e place. Voilà, elle est méritée. Elle est méritée. On va passer au top 3 et vous allez voir que le premier but, c'est... Bon, bah, le 3e but, il est pas disponible, le lien est mort, donc on va passer directement au 2e. C'était avec, comment il s'appelait, Ryan Soldier, voilà, Ryan Soldier, qui avait claqué un but avec Adriano, mais c'était n'importe quoi. Il se fait une propre louche, et regardez-moi ça, il te claque un ciseau ou ce que tu veux, et le mec direct, il te claque ça, je crois qu'elle part en lucarne. Si je dis pas de conneries, elle part directement en lucarne. Attention. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les mecs, ils tentaient beaucoup ce geste-là, la louche plus la reprise directe. Donc après, voilà, ça a eu moins d'importance. Mais c'est vrai qu'au début, quand les buts-là, ils sortaient, c'était un truc de ouf, quoi.
Mais ouais, PES, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Donc là, on passe au but numéro 1, le number 1, tu vois. C'était un putain de but avec Roberto Carlos, un coup franc de 41 mètres avec un effet de malade sur PES6. Clairement, ce but-là, il a tout déchiré, quoi. Le mec, en plus, je crois que c'était comment il s'appelait? Je sais pas si c'est pas Toretto ou je sais plus comment il s'appelle le mec qui a mis ce but-là. Mais clairement, c'était un but de malade, quoi. Regardez-moi ça, attention. Bria! Putain, cet effet de ouf! Franchement, avec Roberto Carlos, tu pouvais tenter ces coups francs là, c'était excellent. Oh, aïe, 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 aïe. Apparemment, dans FIFA 17, on pourra tenter des effets comme ça, ce serait cool. Mais putain, regarde-moi ça, quoi. Enfin, là, on le voit pas bien. Là, on va le voir mieux sur le. Ah non, c'est quoi après, je crois. On va mieux le voir quand la caméra sera juste derrière Roberto Carlos. Là, voilà, l'effet que prend la balle, attention. Bri! C'est excellent, putain. Vous imaginez que moi je passais mais du temps, je regardais pratiquement tous les buts qui sortaient à chaque fois, même des buts pourris et tout, mais voilà, c'était, il y avait un délire, c'est tu mettais un but, tu notais celui qui a la meilleure note, voilà quoi. Bon après il y a des mecs qui s'amusent à mettre des mauvaises notes pardon, pour justement faire baisser la note du but pour passer devant. Bon forcément il y a des gros connards, il y en a partout. Mais vraiment l'ambiance du site elle était vraiment pas mal et voilà, vous aviez droit à des buts comme ça. Et putain, ça rappelle les souvenirs, sérieux. Donc là on va passer sur mes buts. Je vous dis ils sont pas top, mais. Ah non, c'était DPG. DPG voilà qui a mis ce but là. Et on va passer sur mes buts. Attention les gars. Attention aux yeux. Bon, déjà on se moque pas de mon pseudo. Dark Patriot, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça va, fallait bien trouver un pseudo. Moi j'avoue, j'ai honte quand même, il est pourri quoi. Donc je me suis. Ah, c'est en 2008, putain, c'est en 2008 en fait que j'allais là-dessus. Waouh, ça fait quoi? Ça fait 8 ans? Putain, t'es sérieux, ça fait 8 ans? Aïe aïe aïe, DP Prod, ça rigole pas. La police utilisée du comics en MS, je crois que c'est ça. Ouais, bref. Donc là, c'était sur PS 2008, 2009, 2009. Et j'avais claqué une reprise de volée avec Ronaldo en pleine lucarne. Et bon, je suis désolé, hein, la qualité est pas belle parce que moi, je filmais mon écran. Les mecs, ils arrivent à capturer leur écran avec Fraps et tout. Mais moi, en fait, je filmais et. Bon, elle était pas mal. Elle était pas mal, franchement. Ah, je kiffe bien. Non, franchement, du souvenir que j'en ai, je me rappellerai tout le temps quand je l'ai mis. J'étais là. C'est pas vrai! Non, franchement, elle est belle. On voit pas bien. C'est vrai, on voit pas bien, mais putain, qu'est-ce que c'était beau, quoi. Au pire, vous allez sur le site, hein, vous cherchez un petit peu, vous allez retrouver un petit peu tout ça. Aïe, 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 qu'est-ce que c'était beau! This one? This one is a nice game? Ça fait ça, je crois, la musique, un truc comme ça, tu vois. Alors là, je crois que c'est la première fois que j'utilisais Sony Vegas. Oh mon dieu! Putain, attention, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est la musique de Death Note, si je dis pas de conneries, c'est la musique de Death Note. Ouais. Oh putain. Lucarne, barre, rentre, rentre. C'est le gars, il tapote comme ça, tu vois. Ça va être une tuerie. Aïe, 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 on voit rien, putain. Oh mon dieu, je sais pas si vous voyez quelque chose. Aïe, 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 attention. Ah oui, regardez-moi cette frappe. Brrrr. Putain, oh, elle était belle, celle-là. Elle était belle. On voit pas bien, mais elle était belle. Regarde-moi ça, mon pote. Avec les faux ralentis et tout. Non, franchement, c'est excellent. Ça rappelle plein de souvenirs. Oh mon dieu, putain, ouais, je galère avec Sony Vegas. Je galère encore, hein, je galère encore. Là, c'était mon premier montage sous Sony Vegas. Donc, je sais pas, c'était Sony Vegas 10, peut-être. 8, 9, je sais pas. Mais, ouais, pas mal, pas mal. Le but est pas mal. D'ailleurs, je vous invite à noter mes 3 buts. Donc, celui d'avant Cristiano Ronaldo. Celui-là d'Amoros. Parce qu'il y avait les légendes, déjà, hein. Et puis après, ben, on va passer au dernier avec celui d'Iniesta qui était aux petits oignons, mon gars. DP Prod 666. Putain, j'étais dans quel délire, sérieux. Oh mon dieu. Present for W. Ah non, sérieux, putain. Ah oui, il est pas mal. Ouais, celui-là, il est vraiment pas mal. Putain, regardez-moi ça. C'était l'un de mes plus beaux buts. Et putain, j'ai utilisé une, comment ça s'appelle, une police et j'ai laissé le A de la police, n'importe quoi, bref, je me comprends. Donc là, c'était sur une touche, hop, le petit centre tranquille au 20 mètres. Regardez-moi ça, les gars. Ré! Ouh! Brah! Barre rentrante, mon pote! Putain, non mais sérieux, c'est cool! Franchement, c'est cool, je kiffe, là. Je suis en plein kiff. Je retourne 8 ans en arrière, quoi, t'imagines? Putain, n'empêche, ça a quand même 8 ans, ces conneries, bordel.
Aïe aïe aïe. Bref les gars, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. C'était juste comme ça un petit délire histoire de retourner sur ça. Je voulais pas le faire tout seul, je me suis dit vas-y je vais filmer, comme ça ils vont pouvoir assister à mes chefs-d'œuvre. Non mais clairement c'était une bonne époque. Je sais pas si vous avez des sites où vous allez tout le temps, tout ça. Mais voilà, y retourner longtemps après ça fait vraiment bizarre. Bon j'avoue la qualité est pas top, mais voilà. C'était juste histoire de faire une petite vidéo et de se rappeler des souvenirs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez ciao. Peace.